franchement, elle a du temps. Moi, je suis en train de trouver la solution doucement, doucement, jusqu'à ce que j'arrive. Quelle solution tu trouves? Je sais pas. Je pense qu'on en ce moment, ma tête, je sais pas. Je sais pas pour l'instant. Là, elle a poussé le bouchon trop loin, là. Tu trouves pas, non? Elle a été trop, trop loin. Mais ça, il faut qu'elle paye. Il faut vraiment qu'elle paye. Ma copine. Ma copine à moi. C'était ta copine? Non, pas c'était. Mais c'est ma copine. Je me confie, je fais tout. Hey. C'était ma belle-sœur. Si je te dis comment elle a foutu mon frère dehors. Elle arrêtait pas d'insulter ton frère. Tout le temps l'insulter. Patrick, il fait rien. Patrick, il s'habille pas bien. Je me rappelle encore. Hein. C'est moi qui lui donnais des conseils. Non, ma chérie, laisse tomber. C'est comme ça, les hommes. Mais elle est partie toucher à Snake. Snake, c'est ma vie. Oui, mais il n'a pas touché qu'à Snake. Elle a touché aussi à Devos. Hey, la Bible nous dit 1 plus 1 égale à 1. Donc, moi et Snake égale à 1. Comment ça se fait qu'elle veut se rajouter? Pourquoi elle veut être 3? Non. Mais apparemment, elle veut pas que ça rajoute dans ta vie. Hein. Non, non. Là, non, je comprends non. Pourquoi elle avait foutu mon frère dehors. Moi, je vais lui montrer qui je suis. Devos, je lui chopais avec des messages. Je savais pas que c'était elle. Si la mère, la femme, ce qui était la femme à Snake, là, elle a dégagé de chez moi, de chez mon mec, là. Elle est qui, elle? Elle a non, quoi? Attends. Elle a rien. Moi, je pense qu'on doit la terminer, celle-là. Tu oui, pas, ça, non? C'est une très bonne idée, mais comment? Oh, t'inquiète pas, c'est rien, c'est un petit jeu, ça. Tu sais, moi, j'étais au pays dernièrement. Par rapport à tout ce qui s'est passé, je me suis préparée. Hein. Ah, mais oui, j'étais à Kingabo, là-bas, j'ai été voir une dame. Il m'a donné un petit truc pour pouvoir... Comment ça, un petit truc? Attends, je te jure. Mamie! Viens. Comment ça, ta solution? Je m'étais préparé en conséquence. Si tu es de mèche avec elle, oui. Mais si tu n'es pas de mèche avec elle. Non, vas-y. Vas-y, mets c'est ça quoi ici. Ça? Mais tiens, regarde. Mets ça ici. Mais non. Mais j'ai peur. Mais non, fais mais pas non, ça. Mais non, t'es de mèche avec elle alors. Non, c'est pas ça, T'es contente que tu te prends ton mec. Mais non, arrête, non. Tu me fais peur, mais c'est pas. Mais fais attention, non. Non, mais c'est rien. Tu veux faire ça, quoi avec elle? Tu veux faire quoi? Mais c'est rien, il suffit de mettre un peu dans son verre ou dans sa bouffe. Tu as dit que c'est ta copine. Vous mangez ensemble? Oui. Donc, invite-la, elle viendra chez toi. Non, t'inquiète pas, c'est ma meilleure amie. Hein. Je vais aller directement chez elle. Mais voilà, tu en mets un peu ouais, dans son verre. Si. Non. Mais je vais pas toucher, s'il te plaît. Non, moi, c'est rien. Je suis encore à ma vie. Hey, mais arrête! Mais non, faut là, mais ça va me tuer. Mais non, tu te fais pas tuer. Calme-toi. Hey, je t'ai rien donné. Hein. J'ai tué encore à ma vie. Non, mais c'est bon. Pourquoi tu as peur? T'as vu, c'est la dernière marchandise que j'ai reçue. Comme c'est ce que t'as reçu, tu vois, pour moi, on part avec, on monte notre business ensemble. Ah là, non. Au ben, je t'ai dit quoi l'autre jour? L'autre jour, je t'ai bien dit de réfléchir et maintenant tu me dis non? Non. On peut pas faire marche arrière. Ils peuvent nous tuer. Non, ils vont pas nous tuer, mais pourquoi tu me fais pas confiance? Fais-moi confiance. Ils vont pas nous attraper, ils vont pas nous tuer, d'accord? Là, c'est la marchandise qui reste. Ok, on la prend, on part, on monte notre entreprise ensemble. On peut pas monter une business ensemble. Mais comment ça? Pourquoi t'as peur? J'ai peur d'eux. T'as peur d'eux? Mais ils vont rien te faire. Si, c'est si, une menace si. À deux balles, ça. Ils vont rien te faire, moi je te dis. Fais-moi confiance, on part avec ça. Ils sont dangereux, je te dis. On part avec ça. Non, ils sont dangereux. Non, ils sont dangereux. On part avec ça. Tu me donnes ces sacs. Tu me donnes ces sacs. Tu me fais confiance ou pas? Oui, mais tu me donnes ces sacs. Lâche. Non. Lâche. Non. On doit partir avec. Non. Si tu restes là, tu vas rien avoir. Je t'ai dit quoi? Non. Je te dis, tu laisses ça, on part avec ça, on montre nos business ensemble et on aura beaucoup d'argent. Oui, je sais. Tu veux pas avoir beaucoup d'argent, toi? Si tu veux pas d'argent? Si j'ai envie. Mais alors? Mais laisse, on part avec ça. Non. Mais pourquoi tu veux travailler pour eux? Eux, ils travaillent pour toi. Mais ils sont dangereux. Comment ça, ils sont dangereux? Ils vont pas te tuer, c'est des menaces à deux balles, ça. Si, ils vont pas te tuer, ils vont pas t'attraper. Ils peuvent te tuer. Ils vont pas m'attraper, moi. Si, j'ai confiance en toi, mais. Laisse-le, je peur. On y va. Peur de quoi? J'ai pas envie de perdre nos vies comme ça, là. Je t'ai dit, reste calme, on part ensemble et tu verras de toute façon. D'accord? T'as pas le choix, allez, viens, on y va. Oh là là. Mais Vanessa, maman, elle est là. D'accord? Donc, s'il te plaît, vas-y, assieds-toi. C'est bon, c'est rien. Maman, tu me connais? Oui. Depuis un certain temps? Oui. Moi et ta fille, on est ensemble. Mais je veux pas qu'on s'arrête là. Ce que je veux, c'est d'épouser ta fille. Je veux vraiment l'amener à l'église, à la mairie, comme font les gens normaux. C'est pour ça que je me suis permis aujourd'hui de dire ça devant toi. Pour te demander officiellement la main de ta fille. Marie. Oui, je veux l'épouser. Avec qui?
avec moi. Moi, je t'aime pas. Je t'aime pas. Donc, c'est mieux, va chercher les filles dans la rue, par-ci, par-là. Pas ma fille. D'accord? Oh. Maman, tu refuses que je prenne la main de ta fille? Oui. Ah, tu refuses que Paris prenne ta fille en mariage? Attends. Elle m'énerve. Oh. Mais t'avais pas parlé avec elle? Je sais pas à quoi tu joues, maman, mais arrête. Oh, là. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Je l'aime pas, ton mec là. T'es bizarre. Si tu veux marier avec lui, va là-bas. Maman, t'es bizarre. Pas. J'ai pas besoin de savoir. Que tu sois d'accord ou pas, je me marie. Ah, va là-bas. J'ai pas besoin. Les mères zaïroises comme ça. Reste. Assieds-toi, assieds-toi un peu. Mais elle me fait quoi, ta daronne? Non, elle me choque déjà. Elle fait trop maligne, maman. Tu l'habilles, tu la nourris, tu fais tout. Mais elle fait. De toute façon. Depuis qu'elle était ça me manque de respect. Ça me manque de respect en vérité. Bébé, commence pas. Hein? Commence pas. Je peux la terminer, moi. Terminer qui? Terminer qui? Mais snack, ton snack c'est là-bas. Hein. Chez moi, t'es steak. T'es pas snack, toi. Steak haché, je te mange avec des frites. Mais t'es fou, toi. Toi, t'as terminé qui ma mère? C'est pas parce que moi j'ai manqué de respect à ma mère. Devant toi aussi, tu es manqué. Ça va pas? Ça va pas marcher comme ça. Hé, hein. Hey. Bon, moi. J'ai réfléchi par rapport à ce que je t'avais donné là. Je pense qu'on va laisser tomber. Hein. Mais non. Pourquoi non? Ça va pas se passer comme ça. Je sais pas que c'était mon idée, mais non, franchement, je sais pas. Non. Tu dois t'arrêter tout de suite. Arrête de me raconter, je sais pas, tout comme ça. Est-ce que elle a bangati nzambe, c'est ça? Oui, mais j'ai réfléchi. Hein, c'est toi qui m'as ramené. T'as été chercher, je sais pas où, mais là. J'ai pris ma décision. J'ai fait une erreur. C'est une grosse erreur que j'ai faite. Mais chez moi, on ne fait pas d'erreur. Mais franchement, moi, j'ai déjà pris ma décision et c'est mort. Même non, hier, j'étais avec ma soeur Gladys. Elle m'a donné les mêmes conseils. Voilà. Non. Qu'on arrête, s'il te plaît. Moi, je l'avais parlé de ça à Claire Nkoyi, à Orléans. Et elle m'a dit d'arrêter. Non, mais elle, c'est de ton côté. Oui. Mais moi, Gladys, elle m'a dit non, c'est mort. Ma chérie, il y a un Dieu quelque part. Il y a un Dieu là-haut qui nous voit. Non, mais réfléchis. Hein. C'est toi qui me dis ça. Tu me ramènes, après tu me dis non, arrête. Vanessa, moi j'ai réfléchi, j'ai dit on arrête. De toute façon, j'ai déjà pris la décision. Les trucs, c'est moi qui l'ai. Hé, hey, toi tu. Non, moi j'aime pas les gens comme ça sur mon chemin. Hein. Avec Snake, on avance comme ça. Et quand on a quelque chose à faire, on va jusqu'au bout. Hey, Vanessa. Et c'est pour ça que tu vois que je vis bien. Oui, très bien. Je n'en discrevais pas, mais ça, c'est la bagnole. Ça, l'autre, c'est Chandrelle. Tu ne vas pas comparer une personne et une voiture. Chandrelle n'a même pas la valeur de ma voiture, même pas de mes chaussures. Non, attends, tu n'as pas un cœur? Ah non. Non, j'ai plus de cœur. Et pourquoi j'ai ça? J'ai trop été sentimentale dans ma vie après, non. Là, j'ai vise plus loin. Ah non, mais franchement, et je regrette. Hein. Si j'aurais su, je n'allais pas te donner ça. T'as terminé? Je suis désolée. Hein. Bah, c'est ton problème. Tu ne savais pas à qui tu avais affaire. Hein. Eh oui, c'est Vanessa, la femme à Snake. Et je vais jusqu'au bout. Megan, c'est mort. Il se permet d'aller sortir avec ma pote. Tu imagines? Non, je savais pas quoi. Je sais plus quoi faire. Ça m'étonne même pas de lui. Hé, hein. Hey, t'as vécu pas. Ça, toi? Ça m'étonne pas. Quand je te disais, je connais le personnage. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas de Snake. Ça, c'est tout à fait lui. Alors? Je sais pas pourquoi je suis revenue. Hein. J'étais bien là où j'étais, hein. Et Snake, il veut blaguer avec moi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Écoute, ce que je peux te proposer là, maintenant, c'est... faut qu'on aille voir la police. Eh oui, ouais, faut qu'on aille voir la police. On expose le problème à la police. On donne le nom. On fait tout un dossier. Parce que toi et moi, on sait ce qu'il fait. Même on peut rajouter des trucs. Il faut qu'on fasse éclater son business. La police. La seule solution, c'est la police. Parce que Snake, je vois pas d'autre solution. On peut pas aller chercher des gens, aller l'embrouiller. Non, c'est la police, ma chérie. C'est la police parce qu'il nous a blagué. Ça, il faut qu'on se le dise. Et moi, dans tout ça? C'est vrai que t'es dedans. Mais t'inquiète pas. Ta copine, là, la Chandrelle, là, on peut bien tout mettre... Oh mais c'est Chandrelle, laisse tomber. Oui. Non, t'es trop fort. Ben oui. T'avais pas pensé à ça? Elle est là, elle fait la belle et tout. Bah on va mettre non, tout là, c'est sur bon, son là. Dos, c'est on clair. On va s'arrêter tout de suite.
mets-toi là. Non, hey, ne touche pas, ne touche pas. Mets-toi là. Tu m'avais pas dit que t'allais. Chut, doucement. Tu fais quoi toi avec Mégane? Oh, bébé, arrête de t'énerver, chérie. Mais attends, je t'explique. Mon amour, viens, en plus il pleut. Oh. Non, c'est pas. Tu fais quoi avec Mégane? Mais elle a appelé sur les fixes parce qu'elle avait besoin d'argent pour les petits. Chut. Bébé, attends. Donc, c'est pour ça. Donc, elle a appelé sur le fixe et toi, tu as répondu. Et toi, tu prends des rendez-vous avec Mégane. Bébé, tu sais que c'est que pour l'enfant. Hein. J'ai fait non, que pour ton fils. Et tout, hein. Et vous devez vous voir dans des endroits bizarres. Mais attends, bébé, j'ai... Hey, fais attention. D'accord, fais attention. Je connais très bien Mégane. Arrête. Chut, je connais très bien Mégane. D'accord. Que toi et elle, vous soyez de connivence à discuter. Mais c'est pour l'enfant, mon amour, c'est pour l'enfant. C'est pas fini. Que toi et Mégane, vous discutiez par rapport à l'enfant, mais c'est du n'importe quoi. Tu me prends pour un idiot. Depuis quand toi et Mégane, vous mettez ensemble pour discuter de mon enfant? Depuis quand? Parce qu'en ce moment, t'es tout le temps occupé, bébé. Et alors? Mais si ça... je suis occupé, si elle téléphone sur le fixe, tu m'appelles. C'est tout. Je savais que t'étais avec ton futur, tu faisais tes trucs, donc j'ai pas voulu te déranger, bébé. Ah, mon amour. Bébé. Non, mais ça, c'est pas ton problème, c'est pas à toi de décider. D'accord? Excuse-moi. C'est moi qui prends les décisions et je te dis ce que tu as à faire. C'est bon, bébé, arrête de t'énerver. Il n'y a rien de grave. Hey, fais attention. Arrête. Non. Arrête, souris. Réfléchi vraiment avec tout ce qui se passe ici et tout. Je préfère qu'on se barre. Tu trouves pas? On se barre? Oui, je préfère. Voilà, on a tout eu ici, on a tout fait ici. Franchement, il faut quand même qu'on change. Qu'on change de pays, qu'on change d'environnement, vraiment. Parce que si tu veux, si on regarde bien, ici on est bloqué. On est vraiment bloqué. Ce n'est qu'il nous bloque partout. Partout où on va rentrer, il est là. On peut rien faire. Il est partout, donc il est omniprésent. Donc si on doit faire quelque chose, ça ne sera vraiment pas ici. Hein. J'ai beaucoup réfléchi pour cette décision. Voilà, ça me fait de la peine et tout, parce qu'on a tout ici. Mais je trouve que ça ne sert à rien, ça ne sert plus à rien de rester ici. Regarde, on va vivre comment? On n'a plus de sous, on n'a plus un rond. Regarde, les business, ils ne tournent pas. Toi, il faut que tu travailles. Oui, je suis tout à fait d'accord. Alors, avec toi. Il faut qu'on change, il faut qu'on change de pays. C'est vraiment important. Parce que si tu veux même, je peux te laisser aussi le temps de réfléchir de ton côté. Mais moi, je préfère vraiment que tu prennes vraiment une décision le plus vite possible. Et je veux vraiment que tu me rejoignes dans mon idée de partir. Parce que si tu veux, Snake, il est gentil avec toi, tout ce que tu veux. Mais pour l'instant, je connais la personne. Donc s'il veut nous nuire, il va le faire, il ne va pas hésiter. Pas une seule seconde. Bon, écoute, j'entends tout ce que tu as dit, tu vois. Mais laisse-moi le temps, tu vois, de réfléchir. Je sais, même, voilà, même si je sais qu'elle ne va pas vouloir, mais je sais quand même de convaincre ma daronne, tu vois. Comme ça, après... Non, sérieux, je te dis, c'est sérieux. Parce qu'ici, il n'y a personne. J'ai personne ici. Il n'y a personne. En dehors de ma mère, il n'y a personne. Je dois partir, je dois prendre une décision comme ça. Oui, certes, elle a fait sa vie. Mais là, elle a encore besoin de moi. J'ai bien dit, j'ai pas dit que non, je ne pars pas. J'ai dit que non, juste, je vais parler avec elle. Je vais parler avec elle, et comme ça... On va en discuter, c'est bon. Okay. C'est pas un souci. Okay. C'est bon. De toute façon, on va aller manger un truc. Ça dure pas. On parle. Je voulais vraiment qu'aujourd'hui, qu'on soit un peu plus clair. Donc, tu as fait ce que tu pouvais. Tu m'as montré tes qualités. Tu m'as montré tes capacités. En fait, ce n'est peut-être pas ta faute, ça pourra peut-être être la faute de ta famille et de ton éducation. Je croyais ramener une femme de l'Afrique pouvait être la solution à mon problème. Or que, ici en Europe, on peut aussi trouver des bonnes femmes. Je pense à Eliane Nito qui est aussi une bonne femme avec son mari, un couple respectable. En fait, moi je croyais que... En Europe, il n'y avait plus de bonnes femmes, selon moi. Ok. En tout cas, ma pensée était tout à fait
mauvaise. Je suis parti en Afrique pour te chercher. J'ai ramené une tigresse. Je croyais avoir la paix. Bon, c'est bon. Non, non, tu n'as même pas, tu n'as même plus le droit de faire tous ces brouhaha. Tu n'as même plus ces droits-là. Parce que tout à l'heure, à la fin de mon message, tu vas sortir. Moi, sortir. Et tu rêves. Okay. Et tu rêves. Je rêve. Moi, sortir. Ok. Comme je blague, c'est ce qu'on va voir. Tu vas quitter cette maison maintenant. Arrête de rêver. Que j'arrête de rêver. Hein? Arrête de rêver. Parce que. Ils sont des pauvres pays, hein, Caleb. Ah. On est en France, en plus à Paris. Toi, tu crois que la France, là, c'est à ta maman? Humbert, écoute. Je crois que c'est un début de fièvre qui commence. Attends, je vais te prendre Non, écoute-moi, au lieu que je te tape avant que tu partes. Oui, je suis prêt à tout. Tu sais qu'aujourd'hui là, je suis prêt à tout. Je peux taper. Je peux te faire très mal. Et je ne me salis même pas. Attends, là je crois que c'est un début d'AVC là. Ouais, ça commence. Je n'ai même pas l'AVC. Écoute-moi. Non. Je vais t'asseoir. Assieds-toi. Prends ta place. Malin. J'étais ta propre. Tu vas même pas te salir, je vais même pas me salir. Arrête de regarder les films. Tu rêves là. Tu peux t'asseoir. Assieds-toi. Oui, vas-y. Ouais, d'abord. Ok. Petite sœur, Frida. Yatalem. Ramène-moi toutes ces valises. Les valises de qui? Attends. Les valises de qui? Attends. De qui tu parles? Aujourd'hui, tu vas partir. Quoi? Remets mes valises dans ma chambre. Depuis quand tu rentres dans ma chambre, toi? Remets mes valises. La chambre. Ah! Mais ça va pas encore. Maman n'a pas rien. Ils sont là, Yaya. Caleb, qu'est-ce que tu fais? Mais Caleb, ça va pas. Qui va partir ici? Mais t'es malade ou quoi? Yaya. Ah, non, Caleb, non. Yaya. C'est sa main droite. Qu'on peut gérer. Pardon, Caleb. Mais tu sais que je t'aime, Caleb. Tu sais que je t'aime. Mais quelqu'un. Tu l'as aimé. C'est ça, tu es belle, toi, là. Est-ce que t'as même l'amour? Oui, Caleb. Je t'ai dit, je vais te taper, tu ne vas même pas te salir, je ne me salis pas. Je suis à l'aise. Yaya. Est-ce que je me suis sali? Yeah, yeah. Je vais danser. Laisse la faire pour lui parler. Je vais parler dans une fête. Moi je fais quand tu m'appelles. Est-ce que je me suis sali? Je te demande pas. Je lui fais des choses que je ne veux même pas me salir. Non, ne fais pas. Prends tes valises. Prends tes valises. Là, il y a même des perruques dedans, j'ai tout pris. C'est même pas la peine d'aller dans la chambre là-bas. T'as pris les camélos? J'ai tout vidé. Et les perruques? Il y a plus de place là-bas. Les perruques là, c'était les. Moi, je fais ça. Ça aide. Les camélos, c'était. Moi, je fais ça. Allez, prends. Mais quel est, je t'aime. Comment tu fais? Toi, tu m'as déjà aimé? Oui. Prends ta main. Laisse-la. Il faut qu'elle sorte aussi vivante, non? Et je vais te dire que la maison n'était même pas mon nom. C'était au nom de ma fille, elle. Toi, là, quand tu pensais que tu pouvais me chasser et tout, ceci, cela. Humbert. Je te laisse.
avant. Ici. Reviens là. Oh my God. Ici, c'est moi qui décide. Donc tu reviens ici. Oh my God. T'arrêtes de pleurer. Ma copine, ma meilleure amie, on a été à l'école ensemble. Mais t'as vu ce que tu m'as fait? Je t'ai fait confiance, André. Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi? Je ne veux pas mourir. Pourquoi tu m'as fait ça? Je te demande. Dis-moi juste pourquoi t'as fait ça. Pourquoi? Je ne veux pas mourir. Non, t'inquiète pas, tu vas partir. Tu vas partir. Mais t'as un choix en plus. C'est lui mon homme. Sans lui, je ne peux pas le vivre. Si Megan allait partir, c'est pas toi qui vas rester. Toi, tu vas partir très bien. Non, elle est partie très bien, mais toi aussi, tu vas partir très bien. Donc là, je suis pas venue pour te dire. Arrête de pleurer, t'es pas ma fille. Arrête de pleurer, Chandrelle. Tu choisis entre les deux. Si tu choisis pas, c'est moi qui choisis à ta place. Ni l'un ni l'autre. Je veux. Ah bon? Bah, c'est moi qui vais choisir à ta place. C'est moi qui vais choisir à ta place. C'est moi qui vais choisir à ta place. Laisse-moi faire un dernier mot. Tu mérites que ça. Tu vois? Je t'aime.